Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit objet collector vintage de 250 grammes lorsqu'il n'est pas fondu. C'est un objet qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui par ricochet. Je m'explique. C'est un peu ma petite madeleine, ainsi que celle de mes copains, qui ont tous connu cette chose sur leur table ou au petit déjeuner ou le soir avec un bout de fromage. C'est une plaquette de beurre de chez Claudel. Beurre d'Isigny, vous l'appelez. Et cette plaquette de beurre est un peu un objet d'honnêteté. Parce qu'à l'époque, Claudel gagnait pas mal d'argent, effectivement, mais il y avait derrière ça une honnêteté. Claudel a été racheté plus tard par une laiterie suisse, Ursina, je crois, hein, propriétaire de Montblanc et du Léguigoz, hein, lieu maquis par la multinationale Nestlé dans les années 70. Ils sont intégrés en 84 au groupe Beignet. Là, ça commence à vous parler. Beignet. Hein, qui aujourd'hui appartient à Lactalis. J'espère que monsieur Emmanuel Beignet va tomber sur cette vidéo pour lui rappeler qu'une Madeleine de Proust est tombée sur son ordinateur. Que cette Madeleine de Proust est une Madeleine d'honnêteté. Et qu'aujourd'hui, monsieur Beignet se tape totalement de cet adjectif. Regardez, monsieur Beignet. C'est de l'honnêteté pure, monsieur Beignet. Rien d'autre à dire.